après le combat, le combat est terminé, vous avez vaincu. Satan a été battu. Vous croyez qu'il est parti loin? Il ne part jamais loin. Alléluia. Amen. Il ne part jamais loin. Quand Satan est battu, ou les démons, ils vont faire un tour, ils vont se reposer quelque part et ils reviennent. Quand ils vont revenir, ils sont plus nombreux. Ils disent qu'ils reviennent avec sept acolytes. Bon, c'est une façon de parler. C'est pour dire simplement qu'ils reviennent plus nombreux et plus méchants encore. N'ouvrez pas les portes à ce moment-là. Si vous ouvrez les portes, c'est pour ça qu'après le combat, il faut toujours être vigilant. Ne baissez pas la garde. Jamais baissez la garde. Si vous êtes un boxeur, à un moment donné, vous voyez que vous êtes en train de gagner, vous dites que je baisse la garde. On va vous donner un seul coup, et vous êtes KO. Le combat se termine. Jamais baisser la garde. Toujours prêt, toujours dans la sanctification, toujours revêtu de l'armure spirituelle de Dieu. Parce que le combat viendra toujours. Satan reviendra toujours. Alléluia. Amen. Nous allons conclure, parce qu'il faut terminer. En résumé, mes frères, ce que je voulais vous dire, ne jamais éviter ou fuir le combat. Jamais éviter un problème. Jamais fuir un problème, une situation difficile. Il faut l'attaquer. Il faut résister, mais avec le Seigneur. Avec Jésus-Christ. Sans Jésus-Christ, vous ne pouvez rien. 10. Discerner toujours la nature du problème. Toujours. Est-ce que ce n'est pas votre propre faute? Est-ce que ce n'est pas votre propre péché? Auquel cas il faut se repentir. Il ne faut pas faire un combat spirituel inutile. Vous allez chasser des démons qui n'existent pas. Est-ce que ce n'est pas une preuve? Auquel cas il faut louer Dieu. Il faut chercher à montrer à Dieu que j'ai vraiment la foi. C'est un combat pour la foi. Et si c'est vraiment une attaque spirituelle, vous entrez dans le combat spirituel. Ne pouvez pas fuir. Ne jamais sous-estimer Satan. Ne jamais le sous-estimer non plus. Ne comptez jamais sur vos propres forces. Jamais. Et il faut lutter au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. C'est au nom de Jésus-Christ que vous luttez, que vous combattez. Pas en votre nom propre. Dans la Bible, nous avons l'histoire des enfants de Séba. Dans Actes 19, les enfants de Séba, qui étaient des exorcistes, sont allés vouloir attaquer un démon, un monsieur qui avait le démon. Ce monsieur les a pourchassés. Il leur a dit, je connais Jésus, je connais Paul, mais vous, vous êtes qui? Et il les a pourchassés, il les a tabassés, ils sont partis nus. Parce qu'ils ne s'étaient pas connectés. Alléluia. On s'est préparé au combat. Mais la préparation, c'est toute la vie. C'est toute la vie. Depuis votre conversion jusqu'à la mort, vous êtes toujours dans la préparation permanente des combats. Les combats viennent régulièrement. Il faut que vous ayez déjà vos armes. Il faut que vous ayez déjà fortifié. Il faut que vous ayez votre foi inébranlable. Alléluia. Amen. Priez régulièrement. Priez régulièrement. Priez sans cesse. Jamais oublier et toujours être prêt, toujours être vigilant, parce que le combat se terminera quand vous serez dans la tête. En ce moment, il n'y aura plus de combat. Amen. 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 Amen.